Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République vient d'ordonner, à travers une décision, un communiqué signé du ministre secrétaire général de la présidence de la République, la libération des leaders anglophones. C'est donc un communiqué que nous allons reprendre pour vous ici au début de cette émission spéciale sur Equinox Télévision. Le président de la République, Son Excellence Paul Biya, a ordonné ce jour l'arrêt des poursuites pendantes devant le tribunal militaire de Yaoundé contre les nommés Kongo Félix Tabor, Fontaine Neba, Paul Aya Abiné et certaines autres personnes interpellées dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette décision qui s'inscrit en droit de ligne des multiples mesures déjà prises par les pouvoirs publics pour apporter des solutions aux préoccupations exprimées par les ressortissants de ces régions procède de la volonté inébranlable du chef de l'État de rechercher en tout temps les voies et moyens d'une résolution pacifique des crises grâce aux vertus de la tolérance, du dialogue et de l'humanisme. Le chef de l'État réaffirme néanmoins sa détermination à combattre sans relâche les ennemis de la paix et du progrès, les chantres de la division et les criminels de tout acabit qui, sous le couvert de revendications politiques, essayent de prendre en otage l'avenir de notre pays et tout particulièrement de notre jeunesse. Ils répondront de leurs actes devant la justice. Le président de la République félicite les forces de défense et de sécurité pour leur sens du devoir et exhorte les Camerounaises et les Camerounais à travailler ensemble pour que le Cameroun demeure une terre de paix, de stabilité et de concorde et de progrès. C'est signé donc, fait donc à Yaoundé le 30 août 2017. C'est signé le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Madame, Monsieur, c'est donc ce texte que nous allons décrypter ce soir dans le cadre de cette émission 237, le débat, et pour essayer de comprendre le sens de cette sortie du président de la République et surtout les implications à quelques jours de la rentrée scolaire, événement majeur dans notre pays. Nous avons convié sur ce plateau des experts. J'introduis tout d'abord Maître Célestin Guengoum. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fangwa. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, on vous a souvent convié sur ce plateau pour analyser les quelques épisodes de cette crise anglophone. Aujourd'hui, vous êtes encore là. On essaiera de comprendre avec vous ce qu'on peut considérer l'aspect droit, l'aspect juridique de cette sortie du chef de l'État et bien évidemment les implications que cela pourrait avoir sur la vie nationale dans les tout prochains jours. Merci, Maître Célestin Kengoum, d'être venu. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, on l'a indiqué. Maître Frou John, bonsoir. Good evening, sir. Merci d'être venu sur ce plateau. Thank you. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et on vous a également très souvent suivi sur ces plateaux et d'autres hein, sur cette crise anglophone. Et on sait que vous faites partie de ceux qui, pendant plusieurs mois, ont crié à la libération, ont demandé, sollicité, exigé la libération de ces leaders anglophones. Vous me direz tout à l'heure si vous êtes satisfait et quel peut être l'avenir, je veux dire, les suites à donner à cette sortie du chef de l'État. Merci, Maître Frou, d'être venu. Docteur Ambroise Issouma, bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinos TV qui nous regardent en ce moment. Voilà. C'est un plaisir d'être là ce soir. Voilà, vous êtes enseignant de droit à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'Université de Douala. Vous allez donc nous permettre de comprendre la partie, l'aspect politique de cette sortie du chef de l'État, qu'il faut le dire, est président de la République, le président national du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci donc d'être venu. J'introduis également sur ce plateau Prince Aïssi Ngueka. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices de Kinox Télévision et surtout de s'entendre le débat. Voilà, vous êtes journaliste et vous écrivez pour Forum Libre, d'ailleurs vous en êtes le directeur de publication. Avec vous, on va essayer de comprendre également quel a été le rôle hein, joué par la presse pendant toute cette période-là, quelle aura été la contribution de la presse aux différentes étapes, aux différents soubresauts dans cette longue crise-là. Je vous propose, madame, monsieur, en guise de mise en bouche, de regarder ce reportage de Guy Zougo, réalisé il y a quelques minutes seulement, c'était devant la prison de Kondengi à Yaoundé. Nos reporters sont rendus là-bas pour voir l'ambiance et surtout essayer de comprendre ce qu'il adviendra de ces leaders qui viennent d'être libérés suite à cette décision du chef d'État. Je propose de regarder ce reportage. Quelques heures après la publication du communiqué
de la présidence de la République indiquant l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders anglophones. Ici, à la prison centrale de Kondengi, rien ne bouge encore. Les prisonniers restent donc incarcérés ici. Il faut dire que le communiqué précise qu'il s'agit des principaux leaders et d'une centaine d'entre eux incarcérés dans les principales prisons de Yaoundé. Derrière moi, vous apercevez la prison centrale de Kondengi. Tout à côté, il y a également la prison principale. Dans la prison centrale se trouvent une soixantaine de leaders anglophones ou encore de personnes interpellées dans le cadre de ces manifestations. Et la prison principale, elle, également, enregistre une quarantaine ou un peu moins d'une quarantaine de prisonniers, tandis que d'autres sont logés au CED. Donc ce geste du gouvernement ici est diversement apprécié naturellement, mais il s'agit surtout de l'épilogue d'une situation qu'on a vécue ces derniers jours, notamment il y a quelques heures lorsque les avocats de la défense avaient introduit une demande en habeas corpus devant le tribunal de grande instance de Yaoundé. Celle-ci n'a pas connu de suite puisque les leaders interpellés et incarcérés n'avaient pas été extraits de la prison de Kondengi pour cette audience. On avait même indiqué, selon certaines indiscrétions, qu'ils avaient plutôt été conduits du côté des renseignements généraux, certainement pour un débriefing dans la perspective de leur libération. Donc, ces choses faites maintenant avec l'arrêt de ces poursuites, mais certainement, quelle est la contrepartie attendue par le gouvernement? On peut se poser effectivement la question, cette libération, cette annonce, l'annonce de leur libération intervient effectivement quelques jours avant la rentrée scolaire. Il va sans dire que le gouvernement espère que la rentrée scolaire puisse se dérouler normalement, sans anicroche, dans les régions anglophones où, depuis l'année dernière, c'est une année quasiment blanche qui a été vécue de ce côté. Mais également, le communiqué se montre très très ferme en précisant que ceux qui ne rentreront pas dans les rangs ou alors qui continueront à user de violences et d'actes répréhensibles seront traduits devant les tribunaux. Voilà, pour résumer la situation ici, il faut donc dire que la liste va être effectivement acheminée de la présidence de la République pour savoir exactement qui a droit à la liberté et qui n'a pas droit à cette liberté. Vous savez, c'est une affaire des listes, donc il faudra effectivement attendre pour en savoir un peu plus davantage dans les heures qui viennent. Depuis la prison centrale et principale de Kondengi à Yaoundé, Élisée Bogba, Guy Zogo pour Equinox Télévision. Voilà, merci donc à Guy et toute la grande équipe d'Equinox Télévision Yaoundé qui s'est déployée donc depuis le début, depuis la fin de l'après-midi pour concocter donc tous ces éléments que vous avez regardés dans le journal de 20h et que vous continuez de regarder dans cette émission spéciale. Docteur Issoumba, je commence avec vous. D'abord sur la forme, est-ce que cela se comprend? On a un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République dans lequel le président de la République ordonne la fin des poursuites. Sur la forme, est-ce que cela se comprend? Certains ont indiqué qu'on s'attendait peut-être à un décret, d'autres peut-être à une loi. Quelle est la valeur que peut avoir un communiqué comme celui-là? Je dois pouvoir indiquer que dans la nomenclature des actes administratifs, on distingue très généralement, au niveau de leur valeur juridique, des actes faisant greffe et des actes ne faisant grief. C'est-à-dire qu'en fait, des actes qui craignent le droit et des actes qui ne craignent pas le droit. Et parmi les actes qui ne craignent donc pas le droit, figure en bonne place le communiqué qui a donc une mission d'information. C'est la raison pour laquelle le président de la République informe les Camerounais de ce qu'il a instruit au ministre de la Justice, justement de prendre des actes visant à l'arrêt des poursuites contre tous ceux qui ont été tous ceux qui sont impliqués dans cette crise anglophone. Mais en même temps, on se serait attendu peut-être que le président de la République signe ce texte de sa main. Pourquoi il passe par le secrétaire général de la présidence de la République? Est-ce qu'on prend le ministre secrétaire général de la présidence de la République est une autorité administrative, donc il peut prendre des actes administratifs, bien entendu, comme c'est le cas. Il peut pouvoir prendre un arrêté, il peut prendre un communiqué. Mais ce qu'il faut pouvoir indiquer, c'est qu'on ne sait pas s'il a eu une délégation de signature, une délégation de pouvoir venant du président de la République. Donc moi, je pense que s'agissant de ces actes, le ministre secrétaire général de la présidence de la République peut discriminer. S'il estime qu'il peut à son niveau prendre l'acte sans pouvoir le soumettre à l'attention du président de la République, il le fait. C'est comme tel que le cas que nous avons sous la main
le cas d'espèce. Maître Célestin Kengoum, quelle est la valeur juridique d'un texte comme cela? On parle d'un communiqué signé par le président de la République et signé par le secrétaire général de la présidence de la République. Un communiqué. Quelle est la valeur juridique d'une sortie comme celle-là? D'abord, du point de vue de nos textes, il faut déjà s'interroger sur la compétence du chef de l'État à donner des instructions de cette nature, c'est-à-dire demander que les poursuites pénales soient arrêtées contre des citoyens détenus. Alors, le chef de l'État dit l'article 13 du code de justice militaire a le pouvoir et peut prescrire au ministre de la Justice d'arrêter des poursuites pénales contre n'importe qui devant le tribunal militaire à tout stade de la procédure, mais à la condition qu'un jugement ne soit pas encore rendu. Quand un jugement est rendu, c'est plutôt le droit de grâce. Donc, le texte ne dit pas la forme par laquelle le chef de l'État peut donner cette instruction au ministre de la Justice. Alors, devant le silence de la loi, on suppose que tout moyen susceptible d'atteindre le public, dont cela peut être par le moyen d'un arrêté, cela peut être par le moyen d'un communiqué. Mais toutefois, on se pose un peu des questions sur la démarche qui a été entreprise à partir de la présidence de la République. Parce que la loi dit le chef de l'État peut prescrire au ministre de la Justice. Donc, en réalité, c'est le ministre de la Justice qui devrait porter une telle information à l'attention du public. Pourquoi avoir choisi le ministre secrétaire général de la présidence qui a lu et signé le communiqué? Ben, vous voyez sa fonction, il est le collaborateur direct du chef de l'État. Donc, il agit ici comme un porte-parole. Tant que son missi dominis ici, il est un peu le missi dominis, c'est-à-dire l'envoyé du maître. Tant que son maître, son patron, n'a pas désavoué son communiqué, alors on peut considérer que ce communiqué vient effectivement du président de la République. Et comme qui peut le moins, peut le plus, peut le moins, nous estimons que le chef de l'État, sur le plan de la forme, a agi à bon droit en demandant à son ministre secrétaire général de la présidence de lire ce communiqué ou d'adresser ce communiqué à l'ensemble des citoyens et des autorités en charge de la détention ou en charge de juger cette affaire concernant nos compatriotes, nos frères qui ont été arrêtés et détenus dans le cadre de l'affaire dite des affaires anglophones. Alors, avant de donner la parole à Maître Frou, docteur Issoumba, vous percevez la nuance qu'a voulu souligner Maître Célestin Kengoum à ce niveau-là, parce que le sentiment qu'on a eu, c'est qu'en réalité, ce communiqué qui annonce l'arrêt des poursuites aurait dû être signé par le ministre de la Justice qui aurait au préalable reçu les instructions du chef de l'État. Alors, le sentiment qu'on a en regardant cela, c'est que le président de la République, une fois ici, enfin, selon un certain nombre d'analystes, est toujours dans sa posture de Zeus, de Zorro, qui arrive à la fin, lorsque la situation est assez compliquée, pour prendre une décision et se présenter comme le maître absolu qui détient tous les pouvoirs et qui est capable de décider de tout. Est-ce que, finalement, ce n'est pas le sentiment qu'on a avec cela? Non. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, pour des besoins d'élégance, c'est peut-être ce que semble indiquer M. Kengoum, avoir une décision ou un communiqué comme ça signé par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui en a qualité? Si je me refais très bien à cette loi, si de l'article 13, alinéa 4 de la loi numéro 2017-02 du 12 juillet 2017, portant code de justice militaire, qui précise très bien que le président de la République peut prescrire au ministre de la Justice l'arrêt des poursuites. Oui, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, ça veut donc tout simplement dire que le contenu de cet article nous indique que le ministre de la Justice ne peut pas de son propre chef initier les arrêts. Il faudrait d'abord qu'au départ, il y ait une action émise ou impulsée par le président de la République. Et c'est ce qui justifie, je crois que le président a agi de bon droit, d'ailleurs, mais je l'ai rappelé, au corps de la justice ne peut pas, par ses propres soins, ou bien, comment dire, proprement, c'est-à-dire que proprement, de sa propre personnalité,
décider de... Mais on aurait pu avoir un communiqué du ministre de la Justice qui commence par, vous connaissez la formule, sur très hautes instructions du président de la République à partir de, par exemple... Non, si c'était par là, on n'aurait pas dû respecter l'article 13. L'article 13 est suffisamment clair, M. Duval. Le président prescrit. Donc, le ministre de la Justice ne peut pas, de son propre chef, décider d'engager les arrêts. Donc, il faudrait au départ qu'il y ait un acte du président de la République qui l'y amène à le faire. Vous allez répondre, maître. Je ne réponds pas. En fait, vous aviez bien fait de commencer par poser la question à un enseignant d'université, spécialiste des questions de sciences politiques. Effectivement, vous voyez, en fait, à l'origine, comme il s'agit d'une affaire à coloration politique, il fallait donc que le chef de l'État donne beaucoup plus de solennité à cette décision. Voilà pourquoi, au lieu de laisser le ministre de la Justice le faire, comme si c'était une affaire judiciaire banale et technique, l'affaire ayant donc une portée politique, il a voulu donc donner beaucoup plus de solennité en prenant sur lui de faire lire ce communiqué par son ministre secrétaire général à présence. Est-ce que vous avez des observations à faire, maître Fourou, d'abord sur la forme, sinon on rentre directement dans le fond de cette décision? Yes, I want to say that the head of state has been very political in this communiqué. Because if you look at how the English-speaking community looks at Laurent Esso, who is the Minister of Justice, they don't look at him with any. He is the most, one of the most unpopular people in the community, in the English-speaking community. Therefore, le président voulait le préserver. The president kept him aside and used his secretary, which he has a right to do. So his secretary is the one who has issued this communique on behalf of the head of state. I think, legally speaking, there's no problem with that. Because as Article 13 of the Military Justice Code says that the head of state is the one who takes this action, and he can use any of his ministers, especially his own secretary, to issue this communique for him. Knowing fully well that if he asks the Minister of Justice to issue it, I don't know how many people in the English-speaking community will believe him. Alors, toujours sur la forme, est-ce que c'est un texte que vous avez vu arriver, vous avez vu venir? Vous y attendiez un tout petit peu? No, I was waiting for a text to be sent to the National Assembly for amnesty, so that those who escaped from the country will now have the opportunity to come to the country so that the negotiations can start. Now that it is not that, we are very far from reality. Prince Aïssine Gekam, sur cet aspect-là, est-ce que je dois préciser que vous sortez fraîchement du Sud-Ouest? Je vais vous demander quelle ambiance qui est vécue là-bas, sauf si vous voulez vraiment partager cela avec nous. Quelle est votre réaction en écoutant ce texte signé du secrétaire général de la présidence de la République? Écoutez, en tant comme des médias. Et ben, en tant comme des médias, vous avez bien fait de le dire que je sors de Boya, plus précisément, où j'assistais à une cérémonie organisée par Patrick Ekema Issoungué, le maire de Boya, qui a organisé il y a quelques mois les poules de rattrapage, parce que de ce côté-là, les gens ne sont pas allés à l'école. Et donc, durant pratiquement près de un mois et demi, il a organisé des poules de rattrapage pour 4000 élèves, et ce jour c'était pratiquement la fin, et il s'est trouvé que le ministre des enseignements secondaires était présent pour accompagner la dite cérémonie, et aussi le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Donc, pour entrer dans le sujet, moi je dis, le communiqué du ministre secrétaire général de la présidente de la République, c'est un communiqué politique, ça il faut le dire, c'est un communiqué politique. Maître Kengou l'a dit sans toutefois avec une autre forme de mesure, en disant que, et Maître Fro l'a redit ici, en disant que le président, sur le plan du droit, n'a pas violé la loi. Le président a voulu donner, comme Maître Kengou l'a dit, une sorte de solennité. C'est-à-dire, et personne n'ignore, nous entrons dans le fond du débat ici tout à l'heure, personne n'ignore que le problème anglophone est plus un problème politique. Et les gens l'ont dit.
Et les gens nous disent, et le président est le premier responsable qui était à même de trancher ce problème, hein, au-delà des problèmes techniques, c'est-à-dire des prétextes ou alors des prétextes techniques qui étaient avancés. Donc, je pense que le communiqué signé par le secrétaire, parce que docteur Somba a été élégant en disant que c'était non. Dans la définition même du ministre secrétaire général, dans la nomenclature même de l'administration, le ministre secrétaire général, c'est le secrétaire, comme le ministre d'État Marafa le disait, c'est le secrétaire du président de la République. C'est le secrétaire du président de la République. Donc il lui dit, on a été souvent habitué à certains communiqués, communiqué du secrétaire général de la présidence, mais sur très haute instruction du président de la République. Donc je pense que techniquement, sur la lecture de ce communiqué, il faut dire que c'est un communiqué politique. Le président a dit, mettez fin à la poursuite des leaders, entre guillemets, de ceux qui ont été embastillés dans l'affaire de la crise anglophone. Voilà. Toujours par rapport à cela, on est là dans un autre épisode de cette longue crise qui a démarré depuis pratiquement un an. Parce qu'on se souvient que c'était en octobre, novembre, que les classes ont été perturbées, il n'y a plus d'école, les tribunaux étaient fermés. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde en arrière, on a le sentiment qu'on aurait pu régler cette affaire longtemps avant? Est-ce qu'il se fait trop tard, de votre point de vue? Je ne pense pas. Oui et non. Il se fait non. Pourquoi? Je commencerai déjà par non. Non, parce qu'il y a eu les forces en présence à l'intérieur, au sein même du système. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord qu'on puisse libérer les leaders, c'est-à-dire, entre guillemets, les leaders anglophones. Il y a ceux qui étaient pour qu'on les libère. Mais le plus, il faut le dire ici, il ne faut pas se le cacher, la plupart de ceux qui ne voulaient pas qu'on les libère avec, entre guillemets, des problèmes personnels. Je dis bien des problèmes personnels, c'est-à-dire sur le plan du poste qu'ils occupaient, c'est-à-dire de la position qu'ils occupaient. Je prends, par exemple, le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, avec le problème des avocats, il a fait une conférence de presse pour dire que toutes les revendications qui étaient faites, que le Cameroun n'avait pas de sens. Est-ce que le Cameroun avait en rapport avec le texte WADA. Si vous allez chez les enseignants, la même chose, le ministre des enseignements secondaires, accompagné, appuyé par le ministre de la Communication, a fait pratiquement la même chose. Avant que le président ne sorte, ne fasse une sorte de main tendue, dans le discours du 31 décembre 2016 et dans le discours du 10 février 2017, et lorsqu'il a reçu encore les lions à la chambre. C'est-à-dire, quand vous lisez tous les trois discours du président Biya, en même temps, il jouait au père Fouta et en même temps, il tendait la main pour l'ouverture du dialogue. Alors que ces hommes sur le terrain étaient braqués. Lorsque vous suivez la communication, que ce soit du ministre, directeur du cabinet de service du Premier ministre, Paul Ngongomou, c'était des discours totalement radicaux. C'est-à-dire, c'est des gens qui vous disaient, c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Donc, au-delà de ça, on a compris à un moment que ceux-là qu'on envoyait, que ce soit au nord-ouest, au sud-ouest, avec des problèmes comment dirais-je? Non, ça veut dire qu'il y a eu un problème de casting au départ. Il y a eu même un problème d'appréciation. Non seulement d'appréciation et d'arrogance. Un problème d'appréciation et d'arrogance. Parce qu'il faut le dire, il y a eu aussi un problème d'arrogance. Je me souviens lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, fait une descente accompagnée du secrétaire général du comité central, et qu'il y a eu, ce jour-là, il y a eu le plus grand des grabuges, c'est-à-dire les casses au niveau du Nord-Ouest. Je peux vous dire, et je l'ai rappelé dans plusieurs de vos émissions ici, que le Premier ministre, je le dis encore, a saisi le ministre de la Défense, qui a saisi le président de la République pour qu'on puisse déployer l'armée au niveau de Bamenda. C'est le président Biya qui a demandé qu'on ne déploie pas l'armée sur le terrain. Ça, il faut le dire. C'est le président Biya qui l'a demandé qu'on ne peut pas l'armée, parce que ceux-là, ces missionnaires-là, lui ont donné les assurances qu'ils pouvaient aller négocier, qu'ils maîtrisaient la situation, alors qu'il n'en était rien. Donc, pour dire quoi? Pour dire que il y a eu des gens qui ont joué à la fronde. Et le président, et je le disais encore, et le président est sorti, il a apprécié.
Quel est le cas? Je l'ai dit, le ministre de Raïsso fait une conférence de presse, oui. Dit que tout ce que vous revendiquez, avec des démonstrations accompagnées des experts, des procureurs généraux, le ministre de des enseignements secondaires, le ministre de l'éducation de base, le ministre de la communication, pas plus tard qu'il y a quelques jours, est sorti en disant que non, l'État va faire ci, l'État va faire ça. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Oui, maître let me say this. I believe that there are people in this government who want Biya to go now, and they are using the Anglophone crisis very well to their advantage. I'm not afraid of anybody. Laurent Esso, Churuma, Gogomo, Atanganji, I can say that is an idiot who does not even know his left from right. So I cannot even put him. What he says, what comes out of his mouth, doesn't make sense to anybody. But what I'm saying is this. For all these people, if the President of the Republic was still working, he would have known that they are not working for his interest. One day I asked a question on television. For who is Churuma working? He's not even a member of the CPDA. Maintenant, that is what I have. As oui, bon, le président l'a dit, il va régler ça avec son entourage et puis les camarades du RDP. Mais les gens ont payé le prix. Ça, c'est sur cet aspect-là. Maintenant, est-ce que vous avez le sentiment que maintenant, avec cette décision, je veux dire avec ce communiqué, avec la procédure qui va se mettre en mouvement pour la libération de ces leaders, la crise est derrière nous? Ah, il faut bien lire le communiqué. En tant qu'avocat, j'ai pris le temps pour lire. Certains, le mot qui me frappe, certains, et les deux. On a donné quelques noms. Et les deux. On a dit certains. Certains. Oui. Après le nom qu'on a cité, on dit certains. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Oui, ce n'est pas tout le monde. Et les deux. Quand j'ai lu le communiqué, il renvoie M. Laurent Esso. Non, le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice à l'article 64 du Code de procédure pénale. Nul prosequi. Et nul prosequi donne l'opportunité à M. le ministre de la Justice d'apprécier. D'arrêter le poursuite judiciaire contre quiconque. Ouais. Deuxième chose, dans son article 4. Ils disent que le ministère public peut revenir. Ça, c'est le mot. Peut revenir pour réinculper les gens qui sont relaxés sur non-prosecution. Bon. Cet communiqué. Ça, c'est l'interprétation que vous faites du communiqué. Oui, du communiqué. OK. Cet communiqué renvoie à le ministre de la Justice pour appliquer cet article. Oui. Et s'il applique cet article, et aussi, de mots certains, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est impliqué. Oui. Et qu'à tout moment, on peut vous rattraper. Vous êtes libéré, mais vous êtes toujours... Vous avez l'épée de Damoclès. Voilà. À tout moment, on peut vous rattraper. À tout moment, on peut vous rattraper. Et donc, on règle ça comment? De votre point de vue, on aurait pu faire comment pour que ça soit réglé effectivement? Là, la ministre, avant que je réponde, j'ai dit que c'est déjà une bonne chose pour que les gens soient en liberté. Oui. Mais si un seul anglophone qui est arrêté sur ce problème et encore en prison. Vous n'avez rien résolu. Alors, docteur Issomba, est-ce qu'on devrait s'attendre à une réelle décrispation de la situation après cette sortie du chef de l'État à travers ce communiqué? Parmi les principales revendications qui avaient été présentées par les leaders depuis le début de la crise, on se souvient la traduction des textes au WADA. On a parlé de la question des enseignants. Exact. On a parlé également, et après il y a eu des mesures qui ont été prises, répressives, on se souvient de la suspension d'Internet, qui a également été rétablie quelques temps après. Et puis maintenant, il y a la libération des leaders anglophones. Est-ce qu'on devrait s'attendre à une décrispation de la situation? Et donc, j'ai failli dire, dès lundi par exemple, le retour des élèves à l'école. Je dois dire d'emblée que les villes de Bansog, Batibo, Balikumba et Bafout, dès ce soir, à l'annonce de ce communiqué, les populations sont dans une liesse frénétique. Parce que j'ai un des amis là-bas qui m'a appelé, un des frères, qui me dit que les populations sont
totalement fier de ce communiqué du président de la République. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est un communiqué complexe. La complexité vient d'où? Elle vient de ce que, quand le contenu indique que le président de la République ordonne les arrêts de poursuite contre Alia Abiné, on cite, et vous savez que toute énumération est limitative. Exact. Ça devient compliqué. Et on indique encore dans le fond que certaines personnes, donc cela veut dire que sur le fond de ce communiqué, il y a un phénomène de discrimination qui apparaît de manière claire. Donc, je discrimination à la place de distinction. Non, discrimination c'est mieux, puisqu'on va discriminer ceux qu'on doit laisser, et ceux qu'on doit libérer, et ceux qui doivent être qui doivent rester à la prison. Donc moi je pense que il faut faire attention à ce communiqué qui, ma foi, est le bienvenu. Tout le monde l'a salué. Je crois que je l'ai indiqué tout à l'heure pour les villes, peut-être que le grand frère a des informations différentes, mais moi je pense que pour ceux qui m'ont appelé étant de là-bas, c'est une fierté. Mais maintenant, au fond, pour nous, les analystes, on doit comprendre que le communiqué n'est pas suffisamment clair, d'où son caractère complexe. On aurait peut-être pu, pour décrisper la situation, pour décrisper, pour amener les uns et les autres à croire qu'une certaine paix et stabilité peut revenir, justement, indiquer dans le communiqué que tout ce qui était libéré tout le monde dans la crise anglophone sont libérés, seront libérés grâce à ce communiqué signé du président de la République. Donc moi, je pense... au fond, à mon sens, que le ministre de la Justice a encore un rôle très important à jouer par rapport à ce communiqué, parce que, vous savez, c'est lui qui va prendre l'arrêté de libération. Donc, on pourra voir, à partir de demain, essayer d'analyser, au fond, quels sont donc les critères sur lesquels ils se sont appuyés pour libérer les uns et conserver les autres en prison. Maître Kengoum, maintenant qu'il y a ce communiqué, il y a certainement une procédure qui va se mettre en mouvement pour que les personnes qui sont concernées recouvrent la liberté. Comment ça doit se passer? Comment ça va se passer concrètement, de votre point de vue? Concrètement, le ministre secrétaire général de la présidence de la République doit adresser une correspondance à monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, parce que nous assistons à un véritable désordre dans le fonctionnement de nos institutions, où parfois on passe au-dessus du Premier ministre pour établir des liaisons entre la présidence de la République et des ministères de souveraineté. Je vous rappelle qu'il y a des ministères qui travaillent directement sous la présidence, sous le président de la République, comme le ministre de la Défense, comme le délégué général à la Sûreté nationale, comme le contrôle supérieur de l'État, cela veut dire, monsieur Fangoua, non, il faut permettre aux téléspectateurs de comprendre comment, quels sont les mécanismes légaux prévus dans les rapports entre la présidence de la République et chef de l'exécutif et ses démembrements que sont les ministres. Donc j'ai dit, à part ces ministres qui sont rattachés à la présidence de la République, les relations entre la présidence et les ministres doivent passer par le Premier ministre. Donc on devrait saisir le Premier ministre en disant la formule habituelle sur très haute instruction du président de la République. Voilà, il a été instruit. Le Premier ministre, à son tour, doit saisir le ministre d'État, ministre de la Justice, pour répercuter cette décision souveraine du chef de l'État. Maintenant, au stade où nous nous trouvons, je pense quand même que le ministre de la Justice doit avoir déjà sur sa table la liste des personnes qui sont détenues dans le cadre de cette affaire, de cette crise qu'on qualifie de crise anglophone. Donc, que va faire le ministre d'État, ministre de la Justice? Est-ce qu'il va les relaxer tous? Est-ce qu'il va discriminer entre les personnes à relaxer? C'est encore un problème assez complexe. Donc je pense que très rapidement, le ministre d'État, ministre de la Justice, devrait, au lendemain d'une décision souveraine comme celle-là, adresser la liste des personnes détenues dans nos différentes villes au Premier ministre, pour leur dire, au niveau de Bamenda, voilà ceux qui sont détenus, au niveau de Douala, au niveau de Yaoundé, et ainsi de suite. Et comme ça, quand l'instruction lui est renvoyée,
qu'on confirme que tous ceux dont les noms figurent là doivent être libérés. Mais il y a un autre élément qui me frappe dans ce communiqué du ministre. Avant d'arriver sur cet élément, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil. Je ne perds pas le fil. Pour rester sur cet aspect précis. Donc ça veut dire, parce qu'on a indiqué sur ce plateau que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de cela. Donc lorsque non, le ministre non, reste la liste. Non, on n'a pas non, dit. Ils n'ont pas dit, c'est pas tout le monde. Non, il ne s'agit pas que c'est pas tout le monde. Certaines personnes. Non, je vous dis que tel que le communiqué est libellé et tel qu'il a été porté à l'attention du grand public, on a l'impression que certaines personnes ne seront pas libérées. Mais lesquelles? On se demande bien qui seront libérés. Trois noms ont été spécifiquement désignés. Alors, du coup, l'énonciation de ces noms montre bien qu'au niveau du pouvoir central, on reconnaît quand même un leadership à ces trois personnes. Parce que là, ils ont bénéficié. Ça montre qu'ils ont un statut particulier dans cette crise. Donc, de mon point de vue, il faut agir très rapidement. Le seul problème que nous avons, c'est quoi? Ce sont les lenteurs. Ça peut s'échanger en moins d'une heure de temps. On envoie un fax, les réponses tombent. Donc, avant la fin de la journée de demain, on devrait pouvoir décrisper cette situation et sortir un communiqué publié dans les journaux pour donner exactement les noms des Camerounais qui sont bénéficiaires de cette mesure. Et en plus, je dirais que, comme la question vient d'être posée à mon confrère Fou Johnson, en plus, il y a un autre problème qui va se poser. Il y en a qui étaient sous le coup de poursuite ou qui se sentaient menacés par cette décision et qui sont partis, qui ont quitté le territoire national. Quitte de leur situation, qu'est-ce qu'ils deviendront? Est-ce que des garanties leur ont été données ou leur seront données qu'ils ne seront pas inquiétés s'ils retournent au Cameroun? Donc je pense qu'avec une telle décision, on ne peut pas parler de la fin de la crise anglophone. C'est une forme de victoire d'étape, pour parler un peu comme dans le langage des cyclistes. Mais il y a encore beaucoup d'étapes. Et c'est une amorce. Et je pense également que quand vous parlez par exemple de reprise de l'école dans ces deux régions, vous oubliez un facteur. Il y a dans cette histoire deux catégories de Camerounais et de personnes qui agissent dans cette affaire. Il y a des gens qui veulent l'amélioration du bien-être des populations, qui en appellent à la décentralisation. Et à défaut de cette décentralisation, ils ont poussé l'exigence jusqu'à demander la création d'un État. Maintenant, ceux-là, à travers ce communiqué, vont commencer à recevoir satisfaction. Et je ne pense pas qu'ils pourraient se mettre au travers de la démarche de la rentrée scolaire. Et il y a une deuxième catégorie, pour terminer, ceux qui ne veulent pas que la situation se décrispe. Il y en a deux. Il y en a qui agissent sous le coup des puissances étrangères, parce que je vous ai dit ici à Equinox il y a quelque temps que des mesures étaient en train d'être préparées. Par exemple, il y a deux mesures fortes. On allait interdire de voyage certaines autres personnalités du Cameroun directement liées à cette question. La deuxième chose, le gel de leurs avoirs à l'étranger. Pourquoi? Parce que il y a des multinationales qui activent leurs États pour démembrer cette partie du reste du Cameroun parce qu'on y a découvert beaucoup de richesses, de ressources naturelles. Okay. Et la deuxième chose par rapport à ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ça se décrispe, et Maître Fou l'a dit, je l'avais déjà dit avant, il y a des Camerounais qui ont amassé, étant dans le giron du gouvernement, qui ont amassé beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent, et ils ne peuvent pas en jouir tant que le président de la République est en vie et en fonction. Raison pour laquelle, en provoquant des remous sociaux, en poussant, en excitant la population à s'attaquer au régime, à s'attaquer au pouvoir, ils veulent donc que la situation dégénère pour que, bien évidemment, que nous n'ayons plus notre président de la République qui a été élu pour représenter l'ensemble des Camerounais. Alors, voilà une analyse assez globale pour le moment. Oui, vous allez prendre la parole. Je voudrais, Prince Alassine Gokam, sur son dernier jet avant de céder sa place à René Bounouno Bakota. Prince, sur cette question précise, parce que là, il y a le contexte dans lequel intervient cette décision. On est quand même à la veille de la rentrée scolaire. Est-ce que, de votre point de vue,
avec ce que vous avez vu, avec ce qui revient en termes d'informations et en prenant en compte l'analyse qui est faite par Maître Célestin Kengou sur les poids hein, des puissances, je veux dire des acteurs en place. Est-ce qu'on peut s'attendre à une rentrée lundi prochain? Oui, je pense que oui. Vous savez, il y a la première grille de lecture qu'il faut faire, c'est que les gens sont fatigués. Ça, il faut le dire. Les gens, au-delà des revendications, sont fatigués. Les parents sont fatigués. Les parents, la preuve, c'est que... Mais on a pas le sentiment, non, je vous dis... Je dis les parents, pas ceux qui agissent, je dis les parents sont fatigués. La preuve, les parents ont déployé leurs enfants dans d'autres régions. C'est-à-dire, lorsque vous allez à Bouda, toutes les écoles anglophones sont archi-combes. Vous allez à Tchang. Moi, j'ai deux enfants. J'ai un enfant dans le sud et un autre dans le nord-ouest. C'est un véritable problème. J'ai dû les déplacer vers le sud. C'est un problème. Ça, c'est la réalité. Et du coup, les gens sont fatigués. La deuxième grille de lecture qu'il faut poser, c'est que cette décision vient dire, ouf, enfin, peut-être on sortira de l'auberge. Oui, mais... Malgré les nuances qu'on peut percevoir. Je vous dirais que la visite, c'est-à-dire la tournée qu'a faite le ministre des Enseignements secondaires, qui est en train de faire le ministre des Enseignements secondaires, pour sensibiliser que ce soit les parents, les chefs traditionnels, la société civile, pour que l'école puisse reprendre. J'ai envie de dire le pauvre. Parce que, oui, il fait son travail. Mais est-ce que le problème se trouve à ce niveau? Non. Pour dire quoi? Pour sortir du Val. Est-ce que vous avez le sentiment, je veux dire, de votre point de vue, de votre posture de journaliste, quelle aura été la contribution des hommes des médias à l'évolution, si on peut considérer qu'on est dans l'évolution de la situation? Parce que M. Kengou a parlé d'une victoire d'étape. Quelle aura été, de votre point de vue, la contribution des journalistes à l'évolution dans la résolution de cette affaire? Parce que je dois quand même rappeler qu'à un moment donné, on a eu l'impression qu'il y avait même une espèce d'épée de Damoclès sur les têtes des ondes de médias. On a d'ailleurs vu que certaines radios ont été fermées, notamment à Bamenda, parce que, bon, incitation. Est-ce que des journalistes aujourd'hui peuvent se sentir heureux d'avoir contribué un tant soit peu à l'amélioration de cette situation? Oui, il faut le dire sans embâche, oui. Mais au départ, il y a eu, c'était des comptes rendus. Lorsque la crise a commencé, c'était des comptes rendus. Et après, le gouvernement a compris qu'il y avait une certaine fronde. Il y avait des prises de position. Le gouvernement a sorti l'épée de Damoclès. Oui, il y a l'épée de Damoclès. Et du coup, il y a eu une sorte de marche arrière pour certains. Et du coup, il s'est créé un couloir de deux types de traitement d'information. Il y avait ceux qui soutenaient le gouvernement, c'est-à-dire accompagner les sorties du ministre de la Communication en disant que nous ne voulons pas de la sécession, nous ne voulons pas, nous avons besoin d'école. Il y avait un autre type de traitement qui était ciblé sur les chefs de département ministériels, c'est-à-dire ceux qui accompagnaient les ministres, ceux qui accompagnaient les actions des ministres. Il y avait le troisième qui était le plus téméraire et dont je fais partie, c'est ceux qui réclamaient qu'il faut libérer tout le monde, si on veut, si nous voulons la paix. Il faut libérer la condition sine qua non. C'était de libérer tout le monde. Et je suis absolument, entre guillemets, satisfait de cette décision qu'a prise le président de la République de libérer. Moi, je pense que dans le fond, pour revenir sur la lecture de ce communiqué, je pense qu'ici, quelque part, même si c'est nuancé, on a voulu faire l'économie. C'est-à-dire en citant les leaders. Et si je vous ai dit, c'est une communication politique. Les leaders, c'est Agbon Mbala, c'est Dr Neba et c'est Aya pour la Binet, qui, les noms ont été les plus cités. Ça ne voudrait pas dire qu'il y a d'autres qui ne sont pas détenus, mais c'est une communication politique. C'est-à-dire, quand on parle, par exemple, sur ce plateau, est-ce qu'on a cité un autre nom que ça? Non. Et le camp d'en face, excusez-moi le terme, le camp d'en face le sait. Et du coup, on a voulu faire une sorte d'économie. Je vais vous donner une anecdote. Je connais, quand je dis qu'au sein de l'appareil même, les gens ne s'entendaient pas sur les trucs, parce qu'il y avait des règlements de compte. Je connais un président de section de l'OGDPC, je ne citerai pas le nom, à Bamenda, dont j'ai été pratiquement le porte-voix, parce qu'il a été embastillé dans cette histoire sans tête ni queue. Il a été soutenu par des bulletins de renseignement, par le sous-préfet de sa localité. Pourquoi? Parce qu'un ministre... Qui n'avait rien à voir. Parce qu'un ministre en avait... Du fait de l'émergence de ce jeune prenait de l'ampleur. Et il a été embassier, il a été libéré parmi les derniers, la dernière vague qui a été libérée. Donc, il y a eu trop de cafouillages, il y a eu des règlements de compte. Et du coup, je pense que
du haut de sa stature, le président de la République, avec les différentes informations qui lui revenaient, a compris qu'il y a des gens qui ont agi dans cette affaire avec des intérêts personnels et qu'il fallait à un moment trancher pour ramener un tout petit peu la paix à la maison. Je pense que l'école, certainement, j'ai vu Maître Faux secouer la tête. J'ai fait les zones, c'est-à-dire que ce soit Bamenda et Boya, la Magno, au Trinfond. Oui, les gens sont d'accord pour les idées. Les gens sont d'accord pour la pensée. Les gens sont d'accord pour les revendications. Les gens adhèrent. Ça, on ne peut pas le nier ici. Les gens adhèrent. Mais à un moment, les gens poient sur le... souffrent. Les gens souffrent. Parce que lorsque vous n'allez pas au marché, vous ne vendez pas, vous nourrissez votre famille avec quoi? C'est un problème. Au-delà des revendications, c'est un problème. Et du coup... Il y a un débat sociologique sur les conséquences. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, je dis, c'est pas ça le fond. Je dis, c'est pas ça le fond. On va vous remercier après. Donc, je pense qu'au-delà de tout, c'est une décision qui est la bienvenue. Maintenant, nous allons voir l'applicabilité de cette mesure. Est-ce que, comme Maître Kengou l'a dit, et je le souhaite, je souhaite que le ministre d'État, Laurent Esso, puisse faire une sortie, peut-être pas le ministre, le secrétaire général de l'affaire, par le communiqué. Maintenant, pourquoi pas une conférence de presse pour expliquer dans les termes les plus simples quels sont ceux qui seront libérés. Voilà, merci à Prince Aïssine Gekam pour cette intervention. Infiniment merci, à très bientôt. Merci, Vous allez donc céder votre siège à René Bonono Bakota, qui est secrétaire national aux relations publiques au PURS. Alors, je vous ai vu réagir tout à l'heure lorsque tu intervenais. Je voulais lui informer que quand il parle de journalistes, j'ai l'impression qu'il parle de journalistes francophones seulement. Mais s'il parlait de journalistes au complet, on parle de 7 journalistes anglophones qui sont détenus à Koundé. Parce qu'ils ont fait, ils ont fait le reportage, ils ont fait ils ont publié les articles, tout ça. On les a pris, non pas inculpés, on les a détenus sans rien dire. Ça, c'est les journalistes. Oui, bon, il va avoir, il y a cette noire. Ouais, bon, mais jusqu'ici, la justice n'est pas saisie de leur dossier. Bon, peut-être qu'ils doivent rentrer dans la vague. Je reviens pour compléter ce que Maître Kengou, mon confrère, vient de dire. Il a bien dit, mais j'ajoute que si demain c'est le 31, le jour d'audience au tribunal militaire, et il y aura certainement une réquisition prise par le procureur, le commissaire du gouvernement. Bien entendu, motivé par le ministre de la Justice. C'est demain qu'on doit savoir. Alors là, il y a une nuance très importante. Non, attends, j'ai fini. Je sais là où vous en venez, mais attends, j'ai fini. Non, c'est pas vous. Demain, on saura, en écoutant la réquisition du commissaire du gouvernement. Les deux, les poursuites ne s'arrêtent pas totalement. Si c'est mieux le procès. La partie civile, que je vois le maître Achou et consorts en train de représenter au tribunal militaire, ce dossier va continuer contre les concernés. S'il y en a. Non, je pense qu'il y a une confusion. Je donne là le contenu de l'article 64 de notre loi, la procédure pénale. Ça ne concerne pas les poursuites civiles. Non, je pense qu'il y a un peu de confusion dans l'esprit de mon confrère. Et justement, par rapport à cette confusion, en réalité, la confusion naît même de la loi. Depuis quelques instants, il ne fait que faire mention de l'article 64 du Code de procédure pénale qui donne pouvoir au président de la République. Non, au ministre de la Justice. Qui donne pouvoir au président de la République de prescrire au ministre de la Justice d'arrêter toute poursuite et à quelque stade où l'on se trouve contre des gens poursuivis avant le prononcé du jugement. Là, nous sommes
devant les affaires qui relèvent du droit commun. Mais ici, nous avons affaire à des gens qui sont poursuivis devant le tribunal militaire. Or, il y a vraiment une ambiguïté. J'aimerais bien qu'on nous dise qui est vraiment compétent. Parce que dans le code de justice militaire, la loi du 12 juillet 2017, on dit que les instructions du président de la République doivent être adressées au ministre en charge de la justice militaire. Qui est en charge de la justice militaire au Cameroun? Le ministre de la Justice ou le ministre de la Défense? Qui donne des instructions au commissaire du gouvernement? C'est là où se pose le problème. Donc, et puisque le ministre de la Défense, le ministre de la Défense est délégué auprès de la présidente de la République, est-ce que c'est à lui qu'incombe de donner des instructions au commissaire du gouvernement? Si tel est le cas, alors le commissaire du gouvernement attendra des instructions du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est un ministre délégué. Il est ministre délégué et rattaché à la présidente de la République. Donc, par rapport à la confusion que Maître Souk risquait d'entraîner dans ce débat, c'est qu'il y a deux types de poursuites dans ces affaires. Mm-hmm. Il y a des Camerounais ou des citoyens qui estiment qu'ils ont été victimes des fermetures intempestives des établissements scolaires, qui ont porté plainte, qui ont fait des citations directes. Mm-hmm. Mais je ne pense pas qu'un Camerounais a été arrêté à la suite de ces plaintes. Mais par contre, il y a des arrestations massives qui ont eu lieu sous les instructions du gouvernement. Parce que le chef de l'État, il faut bien qu'on le rappelle, il est quand même l'incarnation de l'unité nationale. Il doit veiller sur la souveraineté nationale, sur l'intégrité territoriale. Donc, il y a des interpellations qui ont été faites sous les instructions, sous les 13 hautes instructions du président de la République en tant que chef des armées. Et je pense que ce sont ces personnes arrêtées et détenues dans le cadre de ces opérations qui seront libérées. Et je ne pense pas qu'il y a eu d'autres arrestations en marge de celles dont nous sommes en train de faire mention. Oui, vous allez répondre. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Je voudrais qu'on accueille ici René Bruno. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'associer à cette analyse de cet acte du président de la République ce jour. Vous êtes homme politique, vous êtes secrétaire national aux affaires, aux relations publiques pour le PURS. Quel est... Le peuple uni pour la rénovation sociale. Voilà. Pour être plus comment possible. Recevez-vous cette décision, chef d'État, en tant qu'acteur politique, en tant qu'homme politique? Je voudrais dire que cet acte que j'ai reçu pendant qu'on était d'ailleurs en une séance de travail du PUS, et on évoquait cette question de la crise anglophone justement parce que nous entreprenons des actions par rapport à cette crise. Je voudrais dire qu'il y a plusieurs interprétations qu'il faut faire politiquement. La première, c'est que le gouvernement reconnaît là une erreur dès le départ, parce que souvenez-vous que l'arrestation de la plupart de ces personnes s'est fait dans des conditions que certains avocats ici présents ont décriées même d'ailleurs, parce que la façon dont ils ont été interpellés et se retrouvés en prison, d'aucuns ont été conviés à une rencontre pour un dialogue avec le gouvernement. Le lendemain, on les a arrêtés pour les conduire dans des cellules. Donc, pour moi, ça sonne d'abord comme une reconnaissance d'une erreur de la part du gouvernement qu'il voudrait réparer. Alors, la deuxième chose, c'est l'écoute. C'est que le gouvernement a écouté beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile qui ont plusieurs fois martelé et appelé, demandé la libération de ces détenus-là dans le cadre de la crise anglophone comme étant un préalable pour le dialogue. Je voudrais d'ailleurs ici rappeler que le premier secrétaire du PUS, Serge Espoir Matomba, a fait deux sorties importantes là-dessus, dont la première date du 12 mai à la veille de la fête nationale du Cameroun, et l'autre le 5 juin, où il demandait la libération sans condition de ces détenus, comme tout préalable à la poursuite, si vous voulez, de la résolution de cette crise. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a écouté ses acteurs. Mais subtilement, ce qu'il faut comprendre là, c'est que en réalité, lorsqu'on a un peuple déterminé, il est capable de pouvoir obtenir tout ce qu'il veut. Donc, en réalité, il faut saluer en même temps ici le courage, la témérité, la ténacité de tous ceux-là qui, depuis plusieurs mois, se sont battus pour que... Bien sûr, c'est ce que je voudrais dire. Et dire,
si vous voulez, aller au-delà en disant que c'est la témérité et cette détermination qui a amené justement le gouvernement à reculer. Je crois que certains acteurs ici présents l'ont rappelé et l'ont dit. C'est la preuve qu'on peut capitaliser cet acquis sur cette affaire pour beaucoup d'autres choses sur le plan politique que les acteurs politiques revendiquent. Par exemple, la bataille autour de l'amélioration du code électoral. Par exemple, donc, c'est un indicateur de ce que, effectivement, lorsqu'on est suffisamment engagé et déterminé, on peut véritablement arriver à un meilleur résultat. L'autre chose que peut dégager cet acte, c'est que effectivement, le gouvernement ne doit pas s'arrêter simplement à cette action-là qui peut s'apparenter juste à un cadeau de début de rentrée. Parce que vous savez tous que depuis pratiquement 2 semaines aujourd'hui, les mouvements de grève, notamment les villes mortes, ont véritablement repris dans les zones anglophones. Et le gouvernement a donné des assurances qu'il y aura effectivement rentrée. Je voudrais pouvoir penser que cet acte qui a été pris est tout simplement un acte qui signe effectivement un début de volonté de dialogue dans cette affaire. Parce que je dois rappeler que ce dialogue doit se faire de façon inclusive. Parce que la question anglophone, tout le monde le sait, que la toile de fond, c'est la malgouvernance. Et la malgouvernance, c'est dans tout le Cameroun et ça ne s'arrête pas seulement dans ces zones-là. Donc le dialogue qui doit être amorcé ne doit pas seulement se faire avec ces acteurs-là, mais il doit être un dialogue non seulement inclusif, mais qui apporte des solutions à l'ensemble des problèmes de tous les Camerounais. Je voudrais rappeler que je sors d'une mission du parti à Kousséri, où nous avons parcouru particulièrement tout le Grand Nord. Mon Dieu, il ne faut pas y vivre. Alors, Dr. Issoma, vous avez écouté un acteur politique. Quelles sont, de votre point de vue, les grandes leçons politiques qu'il faut tirer de cette sortie du président de la République à travers ce communiqué du secrétaire général de la présidence de la République? Je dois pouvoir faire une analyse simple, j'allais dire technique, pour indiquer que on est passé là de l'état gendarme, de l'état policier, à l'état négociateur, à l'état managérial, à l'état dialogueur. Parce qu'en fait, on était resté sur la théorie de l'état autoritaire qui, face à une crise, ne peut utiliser que la force, l'autorité. Or, on comprend aujourd'hui qu'à partir de cet acte du président de la République, toute la volonté gouvernementale de faire revenir la paix, la stabilité, surtout de ramener les enfants à l'école. Moi, je vais vous dire, les parents qui sont à Bamenda, la plupart d'entre eux ont convoyé, c'est-à-dire, permettez l'expression, convoyé les enfants vers d'autres régions. Moi, j'ai mon petit frère où tous les enfants, ils les ont envoyés au nord. Parce que, justement, il avait le sentiment que rien ne peut plus être possible. Donc moi, je pense qu'à partir de cet acte du président de la République, qui est une amorce de solution, on peut valablement croire que l'école pourrait éventuellement reprendre dans cette zone. Bien entendu, en mettant en œuvre un certain nombre de revendications qui sont restées sans suite, par exemple, il faut démilitariser la zone anglophone. Et vous savez encore, ça a été très grave à Bamenda, où le délégué du gouvernement a pratiquement fermé toutes les boutiques, c'est-à-dire toutes les boutiques qui étaient fermées. Il a demandé aux uns et les autres de venir les ouvrir, auquel cas il va doubler les cadenas, et c'est ce qu'il a fait. Et moi, je pense que ça vient porter ici atteinte à la liberté commerciale. Il n'a pas donné un fonds de commerce à un boutiquier, donc on ne peut pas lui faire une contrainte sur lui de venir ouvrir une boutique dont il est le propriétaire. Donc moi, je pense que le délégué du gouvernement doit, par prudence, revenir à reconsidérer son acte et demander aux autres d'aller lui-même, c'est-à-dire que décadenasser les cadenas qu'il a mis sur les portes des boutiques. Alors, selon vous, quelle forme cela devrait prendre? Parce que là, on parle de décrispation. Oui, oui. Il y a eu un mot d'ordre de grève qui a été lancé, très suivi, Ghost Town, c'est depuis plusieurs mois maintenant. Ça devrait prendre quelle forme? Est-ce qu'on devrait s'attendre, je veux dire que nous sommes des journalistes qui tendons l'oreille pour avoir l'information. Comment ça devrait se faire? Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que les personnes qui sont libérées, par exemple, donnent un point de presse pour dire quelque chose, ou bien des leaders prennent la parole dans les médias pour dire, écoutez, alors on avance, donc maintenant. Quelle forme ça devrait prendre en tant qu'analyste politique? Comment ça devrait se faire? Mais justement, moi, je pense, à mon sens, hein, que les personnalités qui ont été libérées, c'est-à-dire qu'on les a solennellement citées, Adikaya, Biné et le reste, l'État peut utiliser ces personnalités-là
pour justement juguler et ramener la paix dans cette partie en crise. Parce que vous savez très bien que la sortie du président de la République à travers cette décision m'amène aussi à comprendre que le président de la République, qui généralement on le met sous le couvert du père de la nation, peut également, un peu comme il a fait dans le cadre de la CAN, sortir personnellement et dire « moi, je règle le problème anglophone, je m'y engage », comme il l'a fait pour le cadre de la CAN. Et je l'indiquais sur ce plateau, du va vous le savez, j'avais indiqué que le président de la République, en tant que père de la nation, peut-être que c'est trop dit, doit lui-même prendre en main la résolution de cette crise anglophone. Parce que nous avons vu, il a déployé toute une grande équipe. Le premier ministre, il s'est appuyé sur un certain nombre de personnalités, mais qui, dont l'issue est restée infructueuse. Donc moi, je pense, à mon avis, à mon sens, que le président de la République doit également continuer dans la même lancée. Parce que on l'a souligné, c'est avec pertinence, toutes les personnalités autour de lui ont au départ reconnu qu'il n'y avait même pas un problème anglophone. Vous voyez, M. Duval, donc, puis ils ont été désavoués par la suite. Et voilà, mais maintenant, là, on se rend compte qu'effectivement, le président, il faut doublement écouter, il faut doublement faire, faire attention aux informations qui lui sont portées par ses collaborateurs, qui parfois ne lui disent pas toute la vérité. Et là, on se rend compte que dès que le président a quand même la vérité sur une information, il peut prendre des décisions qui peuvent, comme dans le sens actuel, apaiser le peuple canadien. Est-ce que quelque chose devrait bouger? Oui, vous allez prendre la parole, maître. Je ne vous ai pas sauté. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous devrez... est-ce que ça devrait bouger dans les régions nord-ouest et du sud-ouest dès demain, maître Fond? Before I answer that question, I have to say this. Those who think on this plateau that this decision today has changed so much are mistaken. Secondly, the impression that some people are giving that people are tired. People were, if you have to look at people who were supposed to be tired, they were supposed to be tired several months ago. Ready to go. They were going to take this into the logical end. I like to believe that what has happened today is the beginning of things to come. Just four days ago, somebody came up with a text, sous l'instruction du chef de l'État, 1359 soldats et gendarmes sont déployés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça, c'était 4 jours. Aujourd'hui, c'est communiqué. So, what I'm trying to say is that it has taken 10 months for Mr. Biya to know that he was supposed to take this thing seriously in hand. If there is one mistake that these same people who turn around him, they use the so-called elites of the Northwest and Southwest, who do not represent anything anymore, to try to solve this problem. Qu'est-ce qu'il devrait donc bouger? So what has happened now is that after tomorrow, because tomorrow is the D-Day, if tomorrow everybody concerned that has been arrested because of this is released, both in the Bamenda prison, in prison in Boya, and in Kondenge, if everybody is released, that is why I said the word sete bothers me. Because if one Anglophone is left in prison on this matter, you have, this communique has done nothing. Nothing. And let me tell you, people are ready to go to the logical end. Mais Maître Frolon, ce que vous dites que c'est le début, on a le sentiment que jusqu'ici on n'avait pas bougé. On a bougé, mais complètement. Il faut qu'on voit ça demain. Si les gens sont encore en prison, si on libère tout le monde, y compris les gens que les forces de l'ordre sont en train de kidnapper dans le nord-ouest et le sud-ouest, à l'heure actuelle, on part. Il y a les gens qui sont toujours kidnappés et gardés dans les camps. Dans le nord-ouest et sud-ouest, allez là-bas voir. Il y a un avion qui attend tout le jour à l'aéroport de Bamenda pour embarquer les gens sur Yaoundé.
Si on arrête tout ça, faites baisser la tension dans le nord-ouest. Retirez tous les soldats et laissez seulement ceux qui étaient là pour le maintien de l'ordre, ceux qui étaient là avant, gérer l'État comme c'était avant. Je crois que dès lundi, parce que nous avons 4 jours pour la rentrée, si rien n'est fait de ce côté-là, les gens sont libérés et les soldats sont encore là avec le fusil, les red cap et tout ça, personne n'ira encore. Avant de donner la parole à Maître Kengou, sur cet aspect-là, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce discours est un tout petit peu le discours de Maître Fou? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en tant qu'homme politique, en tant qu'acteur politique, que cela est un tout petit peu radical? On avait l'impression à un moment donné que c'était pratiquement la dernière exigence qui était formulée à côté de la démilitarisation. Non, ce n'était pas la dernière. Moi, j'interviens. Je pose encore la question. Non, attends. J'ai intervenu ici plusieurs reprises. Il y avait trois. L'Internet, ça a été fait. Oui. La libération, j'espère que ça sera fait. Mais, militarisation de la zone. Ok. Je vais ajouter à cela la traduction des actes uniformes au WADA. Et puis le déploiement des enseignants dans certaines régions nord-ouest et sud-ouest que vous n'avez pas mentionné. Ça a déjà été fait. Alors voilà. Alors donc, sur cet aspect-là, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a comme une forme de durcissement? Vous, en tant qu'acteur politique, vous dites quoi? Qu'on est en train de trop tirer sur la corde et, ou bien qu'on devrait lâcher un peu du lest pour montrer la bonne volonté dans un camp comme dans l'autre? Non, une chose est certaine, hein, je voudrais encore rester en droite ligne du discours du premier secrétaire du PUS, Jespoir Matomba. C'était un préalable. C'était un préalable pour instaurer maintenant un véritable dialogue. Parce que, Duval, voyez-vous, je voudrais vous faire observer qu'en réalité, il n'y a jamais eu un véritable dialogue dans cette affaire. Il n'y a jamais eu un véritable dialogue. Ce qui s'est passé dès le départ, c'est que quand les acteurs qui sont détenus pour la plupart aujourd'hui et d'autres sont sortis du pays, quand ils sont venus pour dialoguer avec le gouvernement, c'était un... Puisque le lendemain, on en a arrêté même certains qu'on venait prendre dans leur domicile et puis on les amenait immédiatement. Et le gouvernement en fait un pas. Il est important également que, de l'autre côté, qu'on fasse un pas. Mais moi, je voudrais dire, et je le dis assez, je ne le dirai jamais assez, que on ne peut pas, le gouvernement ne peut pas raisonner simplement en termes de la question anglophone dans cette affaire. Parce que le problème de fond, Monsieur Duval, c'est la malgouvernance. Et la malgouvernance n'est pas qu'une question de ces zones-là. Il faudrait donc un dialogue inclusif. Ces mesures qui sont prises pour normaliser la situation. Oui, parce qu'il y a un pas qui est fait, mais il y a un pas qui est fait. Je voudrais dire que ce qui se passe aujourd'hui, s'il y a cette forme de radicalisation, c'est qu'en réalité, le gouvernement n'est plus crédible sur le discours. En réalité, plusieurs fois, il a annoncé des choses, il a posé des demi-actes, et par la suite, ça n'a pas suivi. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que... Le président n'a plus derrière qui va s'il vous plaît, un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas qu'on donne l'impression que la crise anglophone naît aujourd'hui. De la crise anglophone. C'est une crise qui existe depuis le lendemain des indépendances et qui a toujours été mal gérée. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on a des séquences. Juste que celle-ci a eu une durée et une intensité plus importante. Il est donc important qu'on ait un dialogue, je précise encore, inclusif sur cette question. Parce que je voudrais dire que si on résout la question, par exemple, de la route Bamenda-Babadjou, où on passe pratiquement 3 heures de temps, j'y étais encore la semaine dernière, pour arriver 40 kilomètres, si on résout cette question et qu'on ne résout pas, par exemple, la route Mora-Kousseri, où on est obligé de passer dans les lacs pour pouvoir retrouver la route à un moment donné, c'est un problème. Ou si on ne résout pas la question, voilà. Donc, il y a ces problèmes-là qui doivent être regardés de façon globale, pas seulement sur cette question, mais le préalable est fait, et de l'autre côté également. Mais je voudrais rappeler aussi que c'est encore au gouvernement d'organiser ce dialogue. Ce n'est pas à ces acteurs-là. Okay. Il appartient au gouvernement de créer maintenant l'environnement et les conditions de dialogue. Et que ceux qui ont provoqué tous ces problèmes, parce que c'est un désaveu du président de la République aujourd'hui, de ceux qui ont nié cette crise, ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas de crise, ils ne doivent plus participer à ce dialogue. Sinon,
ça ne va pas marcher. Alors Maître Zézé Kengoum, est-ce qu'aujourd'hui on devrait s'attendre à ce que les choses bougent un tout petit peu dans le sens de la résolution de cette crise-là? Maintenant que le président de la République a pris cette mesure, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce qu'il y ait une réelle décrispation qui se caractérise, se manifeste, par exemple, entre autres, par le retour à l'école? C'est vrai que vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a plusieurs catégories d'acteurs dans cette crise-là, chaque catégorie avec des intérêts précis. Est-ce qu'on devrait désormais voir un État qui décide, par exemple, d'aller plus loin dans la répression après avoir montré des signes d'ouverture, de dialogue, je veux dire, face à ceux qui continueraient à se montrer radicaux par rapport à cette question? Monsieur Fangoua, pour ceux qui sont passionnés de cyclisme comme moi, vous verrez que lorsqu'il y a une victoire d'étape, l'attitude de l'équipe n'est pas jubilatoire. Parce qu'elle sait que cette victoire n'est que partielle. Elle est temporaire. Elle n'est pas définitive. Donc, je n'ai pas, de mon point de vue, je n'ai pas accueilli ce communiqué avec une joie immense. J'ai eu de la peine au cœur. Et j'ai toujours de la peine au cœur. Vous voyez, le président de la République, et je l'ai souvent dit à certains amis de la société civile ou des hommes politiques, c'est pas un enfant, c'est un patriarche. Il a un certain âge. Nous lui devons beaucoup de respect. Quand je dis nous, c'est à commencer par ses collaborateurs. Regarde jusqu'à quel niveau on plonge cet homme dans la boue à tout moment. Au niveau du Cameroun, vous avez un comité d'arbitrage, de conciliation et d'arbitrage, qui rend une décision qui invalide la désignation des membres de la FECAFOOT. Au lieu d'attaquer... On porte l'affaire devant le tribunal, tribunal d'arbitrage de sport, qui confirme la décision. Et comme les sentences arbitrales s'exécutent de bonne foi, parce qu'il n'y a pas de mécanisme coercitif pour faire appliquer des sentences comme celle-là, on demande au Cameroun de faire exécuter. Le ministre de la Jeunesse, il regarde ça avec dédain. Et finalement, il faut que la FIFA vienne, la CAF vienne, pour nous mettre au rang, que la FIFA intervienne pour ridiculiser le Cameroun. Et ils disent que non, nous allons appliquer. Mais regardez à quel niveau est traîné dans la boue le et le chef de l'État. S'il vous plaît. Laissez, s'il vous plaît. On est pratiquement à la fin. Oui, mais on est à la fin. Vous me donnez la parole après avoir fait deux fois le tour de table et vous m'arrêtez quand je dis des choses aussi sensibles. C'est vrai qu'on vous a... Deuxièmement, lorsqu'on annonce l'arrivée des inspecteurs de la CAF à Douala et qui devraient se rendre à Limbé, nous avons ceux qui sont du côté de Mounabiri ont souffert un calvaire inexprimable pendant plusieurs mois. Il a fallu qu'on annonce l'arrivée des membres de la CAF pour que la route soit goudronnée partiellement et que la circulation... Les gens faisaient 4 heures de temps. Parce que la CAF venait, on a arrangé la route de Mounabiri. Vous pensez que c'est à cause de votre secrétaire général, de vos partis politiques, qu'on a pris cette décision? Non, monsieur le responsable de Purs. C'est parce que les conséquences sont que si on n'avait pas, si les enfants ne reprennent pas l'école, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur le gouvernement. Ils ont peur. Et tout cela pourquoi? Parce que le chef de l'État est entouré de deux catégories de personnes, des va-t-en-guerre et des personnes illégitimes. Alors, l'OFI prend cette décision longtemps. Alors, vous avez des va-t-en-guerre qui veulent plonger le pays dans le chaos après avoir vidé les caisses de l'État. Et maintenant, pour couronner le tout, on nous demande, on vous dit, le communiqué suffira à résoudre le problème. J'appelle, j'invite tous ceux qui se mettent en obstacle par de ces enfants. Je les prie par ce micro qu'ils laissent les enfants aller à l'école, qu'on ne les prenne pas en otage. Mais je dis que le gouvernement est composé de personnalités
illégitimes ressortissants de ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que ces personnes, étant illégitimes, ont voulu utiliser la violence pour résoudre un problème lié même justement à leur incompétence, à leur illégitimité. Donc, pour moi, pour terminer sur ce point, j'ai dit le chef de l'État, s'il veut donner un message fort à l'ensemble des Camerounais en général et à ceux du nord et du sud-ouest, il doit recomposer son gouvernement en changeant le Premier ministre. Il doit changer le Premier ministre, il doit revoir les certaines personnalités, surtout celles qui se sont impliquées dans cette crise, qu'on arrête de le ridiculiser, aussi bien sur le plan national qu'international. Maître Kengoum, une question, vraiment une réponse en un mot avant que je donne la parole à Maître Frou. Vous avez semblé indiquer tout à l'heure que c'est le gouvernement et un certain nombre de ministres et de responsables qui humilient le président de la République et qui plongent le Cameroun, qui traîne le Cameroun dans la boue. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le président de la République lui-même n'aurait pas pu, depuis longtemps, prendre cette mesure comme celle qu'il a prise aujourd'hui pour limiter tous les dégâts qu'on a observés et permettre que cette crise, je veux dire qu'on évolue fondamentalement dans la résolution de cette crise-là. Il aurait pu le faire. Monsieur Fangwa, il y a un monsieur qui disait lors d'un débat que le chef de l'État est omniscient, il est omniprésent. Et il disait qu'il est omniscient à travers ses collaborateurs détachés dans l'ensemble du Cameroun. Donc là où il y a un sous-préfet en Vangane ou à Evodoula, le chef de l'État y est. Et les instructions et les comptes rendus sont envoyés à différents ministères qui sont renvoyés au niveau de la présidence. Donc le chef de l'État ne peut décider que par rapport aux éléments qui lui sont apportés. C'est pour ça que s'il a eu des mauvais rapports sur la situation du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, c'est parce que ses plus proches collaborateurs ressortissants de ces régions n'ont pas fait un travail correct. Parce qu'ils ont été malhonnêtes envers eux-mêmes. Enfin, malhonnêtes envers le chef de l'État. Parce que donc, vous venez d'inviter le président de la République à modifier le gouvernement. Donc vous ne pouvez... Et ce n'est pas la première fois, vous l'avez souvent fait et il ne vous a pas écouté. Donc peut-être que c'est... Mais il m'a au moins écouté parce qu'il y a quelques jours, je disais qu'on ne peut pas avancer si on ne libère pas tous les leaders anglophones. Ok. Il faut ajouter sur l'acte du président de la République aujourd'hui. Il faut que M. le président de la République prenne un autre acte. Deux actes. Le premier, c'est pour retirer tous les 1359 gendarmes et soldats qui sont déployés dans le nord-ouest et sud-ouest sous son instruction. Je ne suis pas sûr que c'est lui qui a donné les instructions. Compte tenu des gens qui l'entourent. Deuxième chose, s'il veut qu'on commence les négociations, on commence de discuter, il envoie un texte à l'Assemblée pour l'amnistie sur cette affaire, pour laisser un parti de consortium qui est hors de pays de venir s'asseoir pour qu'on arrange notre pays. Ok. Troisième chose, il faut que le chef de l'État écoute le peuple. Parce qu'il ne pouvait pas envoyer un sous-préfet à Diakiri. Et on envoie un préfet. Le préfet vient pour installer le sous-préfet. Prenez le commandement. Dans une zone purement anglophone, vous parlez de commandement. Les gens vont dire, mais ça c'est le colon. Ça c'est le colon. Nous avons dépassé ce stade du colon. C'est vrai en plus. Mais c'est le geste comme ça qui fait énerver les gens. Alors, Maître Faux, sur le premier aspect en rapport avec la démilitarisation, dites-nous comment vous considérez cela. Parce que Maître Kengoum a indiqué, et d'ailleurs beaucoup le disent, il y a des gens qui sont infiltrés dans cette affaire, qui n'ont rien à voir avec les revendications qui ont été évoquées et qui en profitent pour poser des actes de terrorisme. Et l'État a pensé qu'il était de bon ton de déployer les forces de sécurité pour protéger les populations et mettre hors d'état de nuire ces terroristes-là. C'est le sens de la mobilisation de ces forces de sécurité. Pas qu'on appelle vous appelez mes frères. Je n'ai pas encore fini la question. Je pose la question, maître. Ne les appelez pas terroristes. Maître Kengou, vous avez parlé des gens qui sont instrumentalisés.
Oui, non, parce que je vais reprendre ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui mènent un combat de bonne foi, un combat noble, digne, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a également reconnu qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ce combat-là et qui ont pour mission de travailler dans le sens de la déstabilisation. Non, ils sont manipulés. Oui, manipulés. Ils sont manipulés. Alors, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit les véritables terroristes. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pouvez pas les appeler terroristes. Cette affaire a commencé, ça fait 10 mois. Et il y avait encore des gens qui écoutaient, qui pouvaient faire éteindre cette affaire. Le gouvernement a laissé 10 mois de radicalisation. Et qui te dit que moi-même je ne suis pas radicalisé? Moi, je vous dis, depuis 10 mois, les gens sont en souffrance, ils sont en train de crier, personne n'écoute. Aujourd'hui, vous venez me demander. Parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. S'il y a. Il y a les gens que le gouvernement voulait mettre à l'heure de tard de nuit. Mettez qui au retard de nuit? Dans cette, même parmi les francophones, il n'y a pas de radical. Il n'y a pas d'interlocuteur représentant valablement le gouvernement camerounais dans ces négociations. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État de faire partir tous ces gens. Les gens se radicalisent. C'est votre les gens se radicalisent. Voilà tout le problème. Moi, je dis toujours, je continue à dire, ce n'est pas tard. Il faut qu'on arrive à une table de négociation. Avec qui? Avec le leader. Je vous le dis, s'ils sont un amnesty, les partis de leaders comme les autres là qui sont Mais ils vont discuter avec qui? Ils vont discuter avec qui? Avec ceux qui nient leur combat. Écoute. C'est une affaire politique. Les chefs d'État utilisent les farfelus fonctionnaires qui jouent à leurs intérêts. Mais bien sûr. À leurs intérêts. Mais pourquoi pas ne pas nommer les gens valables, comme Mette Kengoum. Les gens valables, les gens, les personnalités dans ces pays. Moi, je dis, il y a encore les gens valables. Quand j'écoute le professeur, ce monsieur est enseignant. Il est encore lucide. Il est valable. Ne comptez pas sur les fonctionnaires pour régler ces problèmes anglophones. Si vous comptez sur les fonctionnaires, vous ne pouvez pas. Mais lui, c'est un fonctionnaire. Merci. Mais fonctionnaire, non, d'enseignant, à l'université. Ce n'est pas un fonctionnaire comme en catégorie A, B, tout ça. Parce qu'il y a peut-être un fonctionnaire. Alors, infiniment, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. On va s'arrêter. Le temps imparti à l'émission est terminé. René Monono, on va vous remercier d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce soir dans le cadre de cette émission. Infiniment merci. Merci. Je voulais dire que à long terme, dans la résolution de cette crise, l'Opus propose une meilleure qualité d'éducation. Voilà. Merci d'être venu, docteur Issamba. Oui, merci Duval. Ce que j'ai voulu dire, en fait, ce qui me gêne personnellement, c'est l'intervention un peu tardive de cette décision à la veille de la rentrée. Je pense, à mon avis, que si ça avait été fait un peu plus tôt, on aurait pu mettre en place des mécanismes dans les résolutions. Et je voudrais guider le président, s'il s'est engagé pour la CAN, qu'il s'engage personnellement et davantage dans la résolution de cette crise anglophone. Très bien. Maître, je disais que personne veut que ce pays s'éclate. Voilà. Mais depuis que ce gouvernement... Et je prie le chef de l'État de consacrer un peu de son temps téléviseur devant sa table et suivre comment vivre au quotidien les citoyens, comment chaque jour aujourd'hui, des gens meurent sur nos routes à cause de l'état de route, à cause des voitures qui sont vieilles pour le dédouanement des véhicules. Les montants sont faramineux et du coup, on n'utilise que des vieux véhicules. Donc, que le chef de l'État se penche sur, se regarde sa télévision et voit comment vivent ses citoyens dans la misère, parce qu'il est le père de la nation, parce que nous l'aimons toujours. En dépit de tout ce que nous vivons, nous continuons à avoir de l'espoir que notre situation peut changer. Il regarde, Maître Kengou. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau du 237 débat. Merci à toute la grande équipe qui s'est mobilisée pour cette édition spéciale. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci.